de trône. Et c'est une vie à deux que vous êtes en train de commencer ce soir. Une vie de marié. Et maintenant, ce soir, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas n'importe qui voudrait se marier et qui puisse obtenir ce mariage tel que l'on peut le vouloir. Mais vous, vous avez été un couple choisi, pas seulement par Dieu, par les hommes, par la famille et par tous ces invités qui sont dans la salle. Et je vais commencer par le marié, monsieur Donat. Depuis que je vous ai connu, vous avez toujours été un homme tellement présentable. Regardez tellement ce que ce soir, vous êtes tellement bien habillé. Portez un costard présidentiel, une cravate présidentielle, des chaussures présidentielles et tout ce qui est de vos présidentielles. Et bon, par magie, vous étiez parti présenter cette charmante et belle demoiselle à la grande famille. Et la grande famille avait dit oui à l'aimer, à la chérir, à lui donner tout ce qu'elle mérite comme femme. Et regardez tellement ce que ce soir, vous êtes tellement beau. Et moi, j'ai une grande envie de vous le dire parce que parmi mille hommes dans la ville des Goma, ce soir, vous êtes tellement exceptionnel. Parce que vous êtes distingué. Regardez, vous êtes tellement montré être déterminé à choisir cette femme comme épouse. Regardez tellement ce que ce soir, vous êtes en train de faire la beauté d'un couple unique dans la ville des Goma. Et tous les invités dans la salle vont faire un maximum d'applaudissements pour monsieur Donat. Madame Françoise, est-ce que vous savez cette grande valeur que vous avez ce soir? Moi, je veux vous le dire. Ce soir, vous êtes tellement unique. Ces messieurs étaient partis vous chercher dans les fins fonds des océans. C'est mon parce que vous êtes une perle rare. C'est mon parce que vous êtes un diamant. C'est mon parce que vous êtes une matière tellement rare. Et regardez comment est-ce que ce soir, vous êtes tellement belle. Vous êtes tellement présentable. Regardez la couronne qui serpente à même en vos têtes. Une robe tellement blanche et décente. Madame, j'ai une grande envie de vous dire. Vous êtes tellement distinguée, madame. Vous êtes une femme qui a toujours su. Kokunjama, ma gothi koromba mou.